Eh les gens, j'ai à peine fait un quart du quiz et il y a des questions encore plus sexuelles et perturbantes par la suite. Alors si vous voulez vraiment voir un deuxième épisode, je compte sur vous, hein, le petit pouce en l'air. Allez, bonne vidéo. Allez, salut tout le monde, c'est TheFragHD, j'espère que vous pétez la forme les gens. Pour ma part, je vais super bien, qu'est-ce que ça me fait plaisir de vous retrouver. Et je ne retrouverai pas un truc, c'est ma voix, c'est sûr, voilà. C'était vraiment un bordel, je suis parti 2 semaines en vacances, je suis vraiment désolé, je voulais vous prévenir. Mais j'avais beaucoup de travail, etc, j'avais beaucoup de choses à finir avant de partir en vacances. Comme la valise, le déménagement que je suis en train de prévoir, etc. Et j'ai pas eu le temps de vous faire cette vidéo pour vous annoncer mon départ en vacances. Donc, no stress, je n'ai pas arrêté YouTube. Et pour vous résumer en une petite vidéo mes vacances, voilà ce que c'était. Voilà, donc on a dansé comme des tarés, je me suis cassé la voix, en fait on est parti avec 10 amis dans une maison de vacances à l'île de Ré chez une amie à moi qui s'appelle Gabrielle. Des gros bisous, je sais même pas si tu verras cette vidéo, c'est vraiment un gros bordel, on a eu du beau temps, la plage, le soleil, tout ça. Donc dites-nous, dites-moi hein, si vous avez passé des bonnes vacances, si vous comptez partir encore prochainement. Moi je repartirai du 18 au 26, je crois que je repars encore en Grèce, voilà, donc ça va être sympa à Athènes. J'ai vraiment plus de voix et en fait j'avais envie pour le retour de ces vacances que vous en sachiez un petit peu plus sur moi. Voilà, alors je voulais faire une sorte de FAQ mais un petit peu modifié. J'ai vu une certaine vidéo, voilà, de Squeezie, de Thibaut InShape. Je sais qu'il y a plein d'autres youtubeurs qui l'ont faite. Aucun youtubeur ne se plagie entre eux, en fait c'est vraiment une façon de faire une FAQ sous forme de test, de petits quiz. Donc je pense que vous connaissez un petit peu le quiz, on va le faire, voilà, question par question, ça va être assez sympa et vous en saurez un petit peu plus sur moi, voilà. Et puis c'est parti les potos. Alors les gens, voilà, le quiz ou le test s'appelle Grifor et la première question qui me pose, c'est avez-vous déjà goûté à l'alcool? Alors pour vous résumer, rien que mon séjour à l'île de Ré, c'est à peu près cette photo, voilà, du nombre de bouteilles que j'ai pu boire avec mes potes, voire plus, franchement. Donc oui, malheureusement j'ai bu de l'alcool, à boire avec modération, je sais pas trop si c'était modéré, donc on va dire oui. Avez-vous déjà été ivre? Enfin, forcément, non, jamais, oui, allez, ouais la base, t'as vu. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Alors tout le monde connaît, alors dites-moi dans les commentaires, le jeu à boire le plus connu c'est Piccolo et moi je kiffe aussi faire des jeux de cartes, voilà, on se fait plein de petits jeux de cartes assez stylés, la pyramide, le barbu on appelle ça, il y a plein de jeux, voilà, différents jeux de cartes, donc oui j'ai déjà participé. Attends, là j'ai l'impression de passer pour un alcoolique les 3 premières questions là, faut oh, tranquillou. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Non mais attends, vous foutez de ma gueule là, qu'est-ce que vous avez avec l'alcool là? C'est pas, c'est pas un jeu de, on dirait un quiz d'alcool, tu sais. Mais en même temps ça reflète bien toutes les questions que mes abonnés aimeraient me poser. Parce qu'on va un petit peu dans l'extrême, on va dans des questions que vous posez de base, des questions un petit peu what the fuck. Donc oui, je suis déjà tombé parce que j'étais ivre, je me suis même fait pousser quand j'étais ivre sur la plage, je me suis pété la gueule. Super, avez-vous déjà bu pour... Ouais... Bon, qui n'a jamais pris une cuite et a lâché une galette? Alors franchement, ça fait longtemps, moi, ça fait très longtemps. Dites-moi, tiens, vous, dans les commentaires, la dernière cuite que vous ayez prise. La dernière cuite, donc la cuite en mode vous avez vomi, vous avez frôlé un peu le bad trip, vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, j'ai déjà assez bu pour vomir, mais ça faisait, c'était à 15 ans, donc ça fait 5 ans, donc ça va, c'est pardonnable. Avez-vous déjà vomi sur vous ou quelqu'un d'autre? Bah je suppose que j'ai dû me vomir dessus, hein, mais j'étais dans un bad trip à 15 ans, donc on va dire, il n'y a que des oui, non mais attends, je passe pour un putain d'alcoolique, allez salut, allez bye. Non mais sérieusement... Putain, vous êtes déjà vous... Attends, putain, vous êtes déjà vous, you? Ok, super. Vous êtes vous déjà... J'arrive plus à parler. C'est quoi ce bordel? Vous êtes-vous déjà réveillé sans vous rappeler ce que vous avez fait la nuit précédente? Ouais, ça s'appelle un blackout, voilà, tout simplement. Et ça m'est arrivé une fois ou deux, je crois. Et c'est vraiment le plus perturbant. Parce que tu sais ce qui t'est arrivé? Non, mais je vous promets, histoire vraie. Hein. True story, comme on dit. Non, je vous demanderai à mon frère si vous voulez. Mais en fait... on a beaucoup bu avec plein de potes, etc. On était 3 très bons amis, même avec mon frère, à avoir oublié complètement ce qui s'était passé dans la soirée. Et le lendemain, on m'a dit que j'avais embrassé 2 filles. Voilà, que j'avais pécho 2 filles. Alors, pas faire l'amour avec elles, hein. Encore heureux, putain, ça aurait été horrible. Je ne peux pas se rendre compte de ce que tu fais à ce niveau-là. Et je ne m'en rappelais pas du tout, du tout, du tout. Voilà, donc vraie histoire. Et c'est un petit peu. Ça fout mal à l'aise, vraiment mal à l'aise. Vous êtes-vous déjà réveillé sans vous rappeler ce que vous avez fait la nuit précédente? Donc, on a dit oui. Vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une une boîte de nuit. Bah alors tiens, puisqu'on y parle, tu vois, les questions viennent comme ça. Il y a eu une petite embrouille, une grosse embrouille quand on est parti à l'île de Ré. On est allé à la pergola pour ceux qui connaissent, etc. C'est à la Quartz sur mer, bon peu importe, dans une boîte de nuit. Et c'est un petit peu dégénéré parce que il y a en fait le barman, sans raison valable, le mec me pousse des estrades. J'étais en train de danser sur une estrade et tout. Le mec me pousse, j'ai fait me casser la gueule parce que tu sais, quand tu te fais pousser vraiment fort de dos, tu t'y attends pas. T'es un peu bourré dans une boîte de nuit et tout, tu te casses à moitié la gueule sur les gens. Je tombe un peu à moitié et tout, je me rattrape super bien, franchement un peu de chance. Je remonte, je commence par le prendre par le col, j'ai cru que j'allais en décocher une tellement j'étais énervé. Et le videur, il m'a chopé, il m'a balancé des estrades, il m'a traîné dans toute la boîte pour me faire sortir. J'avais de la chance, il était 4h58 et la boîte fermait à 5h. Donc ça va, je me suis pas fait niquer trop d'heures ou de minutes de boîte. Mais oui, je me suis fait virer de force d'une boîte de nuit, ça fout les boules. Et bah du coup tous mes potes ont dû me suivre, hein, c'est la base. Avez-vous déjà participé à un barathon? Qu'est-ce que c'est? Faire tous les bars d'une ville ou d'une rue? Alors là, bah tous les bars d'une rue oui, parce que dans une rue, il y a un bar chez Wam, dans une rue, donc j'aurais pu le faire, mais d'une ville, non, franchement non. Non, non, ça va quand même, oh, oh, oh. Alors, buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Alors, en période scolaire, non, franchement pas du tout. Le week-end, tranquillement. Et là, en vacances... Ah, oui, ok. On a vu. Nombre de jours de plus par mois, les bâtards. Bah, l'île de Ré, je vais pas vous mentir, les potos. Bah, le nombre de jours de plus. Donc, j'ai mis 3 fois par semaine. Bah, je buvais tous les jours, donc plus 4. Hein. Ah, je suis désolé. Alors, vraiment, je montre pas l'exemple. Là, je m'en vais. Non mais attends, c'est quoi? C'est une question, le TheFragHD, l'alcoolique, je vais mettre comme titre, c'est quoi ce bordel? Putain, ma gueule là. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou dans une boîte de nuit? Alors là, franchement, non. Dans les boîtes de nuit, je peux pas, et même si je commence à être super mal, je préfère sortir de la boîte, vomir, ramper chez moi, mais je peux pas me taper la honte dans une boîte de nuit. Donc non, ça, peu d'estime quand même. Avez-vous déjà essayé la drogue? Oui, j'ai déjà essayé. Pas de drogue dure. Ne pense pas à ce que je pense. Mais non, non, j'ai déjà essayé, mais voilà, ça peut être un joint ou deux à tout péter. Hein. En soirée, de temps en temps, je suis pas consommateur de grosses drogues, tu vois, mais faut pas abuser quand même. Indiquez le nombre de drogues essayées. Bah, juste une seule, le cannabis, voilà. Consommez-vous des drogues régulièrement? Non. Eh, hey, oh, oh, calmo. Non, mais attends, non, bon, attends, je crois que la vidéo ne va pas durer super longtemps, quoi qu'elle est déjà assez longue là je trouve. Mais non mais attends, c'est quoi? C'est tester mon taux d'alcoolémie, mon taux de drogué, mon taux de déchirade dans ma tête. Non mais attends, vous foutez de ma gueule ou quoi? C'est des ouf. Je vous dis, c'est le quiz qui fout le plus mal à l'aise. Et en même temps, c'est dingue, c'est que si on devait prendre toutes vos questions, quand vous posez des questions aux youtubeurs pour les FAQ, il y a vachement genre, ouais, t'as déjà baisé des filles, t'as déjà essayé la drogue, t'as déjà bu de l'alcool, combien de fois, tu t'es déjà fait frapper par des mecs. Et toutes les vraies questions qui vous perturbent sont dans ce putain de quiz. Mais moi, c'est assez gênant, je vous avoue, c'est assez gênant. Avez-vous déjà acheté de la drogue? Ouais, à un pote. Un pote, ça m'est arrivé, putain, mais non, mais attends, je me sens super mal, mais je vais même pas diffuser cette vidéo, vendu de la drogue, non, ça, oui, je suis pas un dealer, tranquille. Avez-vous déjà été en bad trip? Bah ouais, là, à 15 ans, quand j'ai vomi, j'ai fait un bad trip, j'ai cru que j'allais tomber dans le coma éthylique, sérieusement, j'ai tellement bu que j'ai vomi, j'ai fermé les yeux, je voyais un tunnel tout blanc comme ça. Mon frère, je vous promets, histoire vraie, mon frère m'a pris, il m'a décoché une salade dans la tête, enfin une salade, une grosse patate dans la joue, juste pour me réveiller, et je pense qu'il m'a fait éviter un petit coma éthylique. Voilà, c'est pour ça depuis... Et vous savez que quand vous prenez un bad trip comme ça pendant... je sais pas, moi, cette vie pendant 5, 6 mois, 7 mois, j'ai pas touché à une goutte d'alcool. Mais pas de champagne, plus rien. Vraiment, j'étais dégoûté, dégoûté. Puis après, ça repart, hein, tu vois, c'est dans les tripes. Avez-vous déjà été en bad trip? Donc, du coup, bah oui. Avez-vous déjà initié quelqu'un à la drogue? Oh là, non, je vais pas initier, je force personne, voilà, mais non, c'est surtout eux qui m'ont initié, certains de mes potes, donc enfoiré, allez hop, non. Avez-vous déjà été ivre ou défoncé pendant plus de 48 heures? Mais bien sûr, oui, non, mais moi, ça m'est arrivé pendant, tu sais, 2 semaines. 2 semaines, j'étais arraché. Non, je déconne, c'est un taré, c'est ouf, 48 heures, t'imagines, 48 heures, tu peux même plus dormir, t'es... Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Je crois bien, oui. Avez-vous déjà embrassé ou pleuté quelqu'un? Ah non, non, mais moi, je peux pas, enfin... Hein, je suis trop jeune, 20 ans, les mecs, 20 ans. Je fais pas... Oui. Avez-vous déjà embrassé ou pleuté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Allez, c'est bien gênant, là, dis donc, mes petits. Je crois qu'on va arrêter le quiz maintenant. Hein. Allez, oui, 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 oui. Avez-vous déjà des relations sexuelles? Oui, à 20 ans, j'espère, encore heureux. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Eh ben, figurez-vous que ça, je ne vais pas vous mentir... Il y a de nombreuses filles avec qui, voilà, j'ai fait un nombreuses, mais qui se la pète de ouf. Non, mais qu'il y a certaines filles avec qui j'ai pu faire l'amour, etc. Elle, je sais pas, c'était le moment gênant vraiment de prendre une douche avec elle. Et même avec mon ex, avec qui je suis resté 6 mois, elle ne voulait pas. Donc non, je ne l'ai pas fait, malheureusement. Avez-vous déjà payé pour du sexe? Non, mais ah si. Alors une fois au bois de Boulogne et à Pigalle, ça m'est arrivé, mais alors, j'étais conne, mais qui part trop loin. Je vais m'arrêter, vous allez voir à quelques questions parce que j'aimerais vous faire un deuxième épisode, parce que j'aimerais voir dans les commentaires si vous avez kiffé, si vous avez laissé un max de j'aime, si vous aussi, dans les commentaires, dites-moi, hein, voilà, si les questions là qui me sont posées, essayez d'y répondre, vous aussi, me dire, ouais, moi j'avoue, j'ai déjà bu de l'alcool, moi est-ce que j'ai déjà essayé de la drogue, t'as testé quoi? Bon, c'est un peu gênant, ok, hein, qu'on soit bien clair. Je bois assez souvent en vacances, en soirée, pour me faire plaisir avec mes potes. Je suis jeune, j'ai envie de profiter et j'ai assez travaillé, hein, durant la période scolaire. Par contre, la drogue, je ne suis pas du tout accro à cette merde-là. J'ai dû tester 2-3 fois en soirée. Hein, l'intrigation, hein, je sais pas, tu peux être intrigué, tu vois, la curiosité à 20 ans, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Donc voilà, après, dites-moi un petit peu, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Et si vous aussi, vous avez déjà testé toutes ces choses-là. Alors là, je vais faire quelques questions, je vais en faire 2-3 pour la fin. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était ivre, drogué ou momentanément handicapé? C'est quoi cette question? On fait une brûle pour des putains de sadiques. Non, déjà, franchement, utiliser quelqu'un quand il est même pas à 100% de ses capacités mentales, c'est déjà très très malsain. Ça s'appelle du viol en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non. Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement? Mais attends, mais oh, wow! Je vais m'arrêter sur cette phrase, m'en fous, je m'arrête là. C'est non, voilà, je termine le quiz là-dessus. Si vous avez kiffé les gens, il y en a encore plein d'autres. Attends, c'est quoi là? Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un cunilingus? Et bah si vous voulez la réponse, laissez un max de j'aime. Et puis voilà, dites-le moi en commentaire. Vous aurez peut-être la réponse pour le deuxième épisode. Je vous embrasse les potos, ciao, bye.